Donc, est-ce qu'il y a des fans déjà des Jeunesse America ici? Ok, bon. On vous a préparé une petite surprise. On va lancer une petite vidéo et après on va s'installer, présenter tout le monde et pouvoir démarrer la conférence. この不毛な活血魔界を1時間も歩きっぱなしですわよ。ここからが勝負だ。 説明をしておきましょう。アンジーには異存があるんだ。神様って、どういうこと？合気道で何々作戦会議してたろ。途中でアマンだけは出てきた。キーボ君？聞こえたよ。 Merci, merci beaucoup. Donc voilà cette conférence qui s'intitule « Traduire les jeux vidéo pour la France, la mission de Nice America ». On voulait démarrer en vous proposant un petit trailer qui résume un peu toutes les sorties, tous les jeux qui ont été traduits en fait par l'éditeur depuis maintenant quelques années. Donc on va rentrer, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais faire un petit tour de table et présenter donc nos invités. Je vais commencer peut-être par monsieur ici à ma droite. Bonjour, je m'appelle Alan Costa, and that's the only French I speak, sorry. Donc bonjour Alan Costa, c'est les seuls mots que je sais dire en français, donc... I'm a senior associate producer at NIS America, thank you very much. Donc Alan est senior associate producer chez Nice America et il est ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Dimitri Pavlovski, je travaille au niveau de la traduction, correction, adaptation des différents jeux sur lesquels j'ai travaillé avec Nicolas et toute l'équipe de Nice America, et je suis également éditeur aux éditions de L'Homme sans nom. Bonjour, Nicolas Pujol, Nico from Tokyo sur Twitter.
Je vis à Tokyo depuis environ 20 ans, je traduis des mangas et des jeux vidéo depuis environ 10-12 ans, et je passe un peu à la télé à mes heures perdues, et je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous ce soir. Et last but not least, notre invité spécial aujourd'hui, qui est présent. Bonjour. My name is Kazutaka Kodaka. Today is my birthday. That's all what I say. Bonjour, donc je m'appelle Kazutaka Kodaka et aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Ok, rapidement, moi je m'appelle Julien Elrab, je travaille pour Core Media qui distribue donc les jeux Nice America sur le territoire français. Donc ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette conférence. Ok, donc voilà, c'est fait pour les présentations. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la localisation. Qu'est-ce qu'on entend exactement par localisation? C'est un terme un peu barbare, un anglicisme sauvage. Peut-être que Dimitri, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le terme de localisation? Donc effectivement, on est sur un néologisme qu'on a choisi de conserver pour le français. C'est l'idée du travail de traduction et d'adaptation spécifiquement dans le domaine du jeu vidéo. C'est un terme qui est très employé aux États-Unis, qu'on a choisi donc de garder pour la France. Et également au Japon, en japonais, on dit localizu en katakana. Et du coup, oui, on va avoir un petit peu les différences, les différents termes un petit peu après. Là, je vais peut-être plutôt m'adresser à Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne une localisation? Qu'est-ce que ça implique? Alors, personnellement, je traduis des mangas. J'ai commencé à traduire des mangas avant de traduire des jeux vidéo. Donc, lorsqu'on m'a posé pour la première fois la question « Quelle est la différence entre une localisation et une traduction ?», pour moi, j'étais un petit peu... j'ai pas trop su quoi répondre de suite, parce que pour moi, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on traduit un texte, que ce soit pour un manga ou un jeu vidéo, on essaie de le traduire de la meilleure façon qui soit, de la façon la plus adaptée qui soit au pays pour lequel on traduit le jeu. Donc, pour moi, une localisation, c'est simplement une bonne traduction. Ah oui, ça dépend effectivement, il y a aussi des méthodes différentes. Je sais que vous deux, vous travaillez en binôme, donc est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu vos rôles respectifs? Est-ce que c'est une méthode qui est plutôt issue du manga ou est-ce qu'elle est propre aux jeux vidéo? On va peut-être présenter d'abord votre manière de fonctionner. De notre côté, on a démarré en travaillant ensemble sur du manga. J'étais le correcteur adaptateur de Nicolas sur différentes traductions qu'il a faites. Et on s'est retrouvé sur deux jeux vidéo un petit peu plus tard. Et effectivement, il y a des différences assez importantes, notamment d'un point de vue travail technique. Un manga, c'est juste 200 pages avec quelques bulles et textes à traduire. Sur le jeu vidéo, on reçoit des tonnes et des tonnes de fichiers Excel avec de nombreuses pages et des cellules dans tous les sens qu'il va falloir traduire et adapter. Donc généralement, c'est Nicolas qui commence... La première étape, il reçoit les fichiers et il commence à regarder tout ça et à lister toutes les difficultés qui peuvent se présenter et toutes les approches à avoir. Alors en fait, nos deux rôles sont vraiment très très distincts. C'est-à-dire que moi je m'occupe vraiment de la traduction, enfin de la localisation. C'est-à-dire que pour un manga, je lis le manga et je le traduis au fur et à mesure. Pour un jeu vidéo, je dois traduire toutes les fiches Excel. Et par derrière, en fait, Dimitri est un peu mon filet de protection. C'est-à-dire que moi, je traduis, donc je relis, etc. Je lui donne ma copie, qu'il va relire, qu'il va polir, qu'il va corriger, jusqu'à ce qu'ensuite nous travaillons ensemble à ce moment-là, tous les deux, sur un travail plus approfondi pour donner notre copie finale qui sera ensuite distribuée sur le marché. Voilà, avec beaucoup, beaucoup d'échanges, des questions que je vais lui poser, auxquelles il va me répondre, on va discuter, ajuster, être d'accord, pas toujours d'accord, se rendre compte qu'en fait, on voulait dire la même chose, et ainsi de suite. Il y a juste un petit point sur lequel je dois insister, c'est qu'une traduction, on dit souvent, il y a un traducteur, mais une traduction, ce n'est absolument pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est-à-dire que, en effet, dans mon cas, c'est moi qui vais m'occuper de la traduction, qui vais traduire littéralement tous les fichiers que j'ai à faire, mais tout seul, c'est-à-dire je ne pourrai jamais rendre une copie parfaite. Il y aura toujours nécessité qu'il y ait quelqu'un par derrière qui relise le travail. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Alors généralement, ça se fait à deux. Pour des gros, gros, gros jeux comme Danganronpa, avec une masse de travail énorme, ça n'a pas été possible, mais généralement c'est un travail qui se fait en proximité. Alors effectivement, généralement on travaille à deux sur Danganronpa. Pour vous donner une idée au niveau du volume de texte, on est à peu près à l'équivalent de 4 gros romans de 6 à 800 pages.
Donc on est vraiment sur du volume absolument énorme. Et je reviens sur ce que disait Nicolas, que même avec le travail du filet de sécurité que je peux être et toute l'attention qu'on peut avoir, il peut y avoir des petites pétouilles qui restent, surtout sur un travail d'une telle ampleur. C'est un travail vraiment perfect, qui peut toujours être amélioré, perfectible. Aussi, une traduction, c'est quelque chose qui arrive à un instant T. La langue évolue, le français évolue. Il y a des expressions, par exemple, qu'utilisent les jeunes, par exemple, à un certain moment, qu'on va utiliser pour rendre le texte japonais. Mais évidemment, une traduction, c'est toujours à un moment donné. Et idéalement, si on avait le temps et l'argent pour le faire, il faudrait même retraduire assez régulièrement les textes. Alors c'est un point intéressant que tu soulignes, parce que ma petite idée sur la traduction, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura peut-être une meilleure idée qu'on vient d'avoir. Donc pour moi, il y a une réponse optimale à un certain moment, dans des certaines conditions de travail, mais il n'y a pas la réponse infaillible qui va être la traduction parfaite. Et tout à fait ça, c'est des questions de choix, d'ajustement. On peut faire des excellents choix, on peut faire des choix un peu moins bons. On est quelquefois amené à choisir de faire des fautes de grammaire volontaires parce que c'est nécessaire par rapport à la langue, au niveau de langue, etc. Ça déchire le cœur du grammairien que je suis, mais il faut le faire. Et comme dit Nicolas, on fournit le meilleur travail sur l'instant T. Justement, on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais à votre avis, quels sont les plus grands défis qui surgissent, qui émergent durant un travail de localisation? On a déjà un petit peu parlé du volume ou des problématiques de temps, etc. Mais si vous deviez retenir quelles seraient les principales difficultés ou défis qui se posent là? Alors, je pense que ça, on peut diviser ça en deux catégories. Il y a d'abord les grandes lignes et ensuite les petits détails techniques, etc. Alors dans les grandes lignes, je pense que la principale difficulté à laquelle on a eu face principalement pour Danganronpa, c'est la masse de travail. Alors idéalement, un manga ça se traduit assez rapidement, généralement il faut une semaine pour traduire un manga. Là dans le cas de Danganronpa, il y a eu plus de 2 500 000 caractères à traduire. 2 500 000 caractères japonais, soit équivalent 5 millions de caractères français. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, 2 500 000 caractères, j'ai fait le calcul, ça correspond à peu près à une centaine de mangas. À traduire, entre 100 et 120 mangas donc à traduire en français. Alors ça c'est le premier problème. Deuxième problème, ce sont les conditions de temps, les limites de temps dans lesquelles il faut donner notre travail. Généralement pour un manga, ça se fait assez rapidement donc on a assez de flexibilité. Pour un jeu vidéo, on a toujours des conditions, des rendus, je dirais pas impossible à tenir, mais très très court pour respecter simplement les demandes parce que c'est du travail à côté. Et puis quand un jeu en japonais sort, on ne peut pas se permettre de sortir le jeu en version française 3 ans ou 5 ans après. Dans le cas de Danganronpa, il est sorti au mois de janvier au Japon. Toujours pour refixer avec les chiffres précédents, tout seul pour traduire le jeu, donc 2 500 000 caractères, il faut, en prenant ses week-ends, un an complet de travail, c'est-à-dire 8-10 heures de travail par jour en prenant donc son week-end, il faudrait un an pour rendre un travail vraiment optimal, parfait, dans des conditions de travail humaines. Donc les conditions de temps sont vraiment quelque chose de primordial. Donc c'est pour ça que, simplement pour terminer sur ce point-là, pour Danganronpa, c'était le premier projet sur lequel on a été obligé de se mettre à plusieurs dessus pour pouvoir le rendre dans les temps corrects. Qui effectivement amène à une deuxième difficulté, c'est le travail de coordination qu'on a avec toute l'équipe de traducteurs. Quand on se retrouve à deux avec un traducteur et un adaptateur, c'est pas bien compliqué, on échange tous les deux, le vocabulaire est calé. Quand on échange avec deux, trois, quatre, cinq traducteurs, on se retrouve à avoir des échanges à caler avec soin, l'ordre de travail des fichiers qui n'est pas forcément bon, on peut se retrouver à avoir le chapitre 5 prêt avant le chapitre 3, va arriver la traduction du chapitre 3 qui va modifier du vocabulaire dans le chapitre 5 et ainsi de suite. Donc c'est plein de petits détails qui viennent se rajouter et compliquer la tâche. C'est assez difficile à imaginer, mais vraiment la traduction c'est très très brut, c'est un fichier, une colonne Excel avec des textes qui ne sont pas forcément dans l'ordre de déroulement du jeu. Et puis il y a aussi les spécificités de chaque langue. Par exemple en japonais on utilise très peu les pronoms, ça peut dépendre évidemment des jeux et du texte, mais il y a aussi des spécificités propres à chaque langue. Est-ce que justement là-dessus, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Nicolas, sur... Alors je voudrais rebondir juste sur ce que tu viens de dire avant ta question, sur la différence. Alors je le répète, mais je traduis des mangas depuis un certain paquet d'années. Alors un manga, c'est assez pratique du fait qu'on traduit une bulle à côté d'un dessin, c'est-à-dire qu'on a la situation devant les yeux. On peut traduire le manga en direct, c'est
c'est un, en fait, il n'y a pas d'effort mental. Alors que la principale différence pour une traduction de jeu vidéo, c'est qu'on n'a rien devant les yeux, si ce n'est une fiche Excel. Ce qui correspond en gros à traduire un jeu à l'aveugle. Alors je ne sais pas si vous resituez, mais alors quand on a un RPG par exemple de la taille de Disgaea dont on voyait tout à l'heure, ou alors Danganronpa, on se retrouve avec une masse de texte qui correspond à une centaine de mangas sans absolument aucun repère visuel. Ce qui veut dire qu'on a deux solutions. Soit on joue au jeu complètement avant de traduire, ce qui implique des dizaines et voire des centaines d'heures parce qu'il faut faire le jeu de fond en comble, ou alors soit se trouver des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de traduire, de voir ce qu'on traduit quand on joue devant un jeu vidéo, ce qui implique à certains moments de devoir. Alors, ce n'est vraiment pas une volonté personnelle, je pense que tous les traducteurs de jeux vidéo vous le diront, mais de temps en temps, on est obligé de travailler à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on est en train de traduire des phrases dont on ne sait pas à quoi elles correspondent. Donc souvent, j'ai des retours de fans ou de personnes qui disent « Ouais, mais là, ce que tu viens de traduire, ça correspond à rien à ce qu'il y a à l'écran. » Eh ben, je suis le premier, désolé, mais on est parfois obligé en fait, de travailler dans ce genre de conditions. Ça, je pense que c'est la plus grosse différence, très pénible à supporter du point de vue du traducteur, entre les mangas et les jeux vidéo. Tout à fait, effectivement, même si on peut regarder des vidéos ou jouer au jeu, on ne va pas traduire au fur et à mesure de ce qu'on regarde ou de ce qu'on joue. Au niveau logistique, ce n'est pas possible. Donc c'est des points qui compliquent beaucoup la tâche. Et je suis le premier dans les retours que je fais à Nicolas, à lui dire « Attention, ici, je ne comprends pas trop. » Et il me répond, j'ai fait au mieux, on ajuste un petit peu la phrase pour s'éloigner un petit peu d'un sens trop précis, pour avoir quelque chose d'assez générique. Et c'est pour ça que quelquefois, on a des sens qui sont un petit peu lointains. C'est malheureusement nécessaire. Vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont vous abordez chaque genre, les mangas. Voilà, il y a des mangas sur tous les sujets à peu près. C'est un peu la même chose pour les jeux vidéo. Dans le cas, on a vu Disgaea, Danganronpa sont des jeux qui, par exemple, comportent une part importante d'humour. Où, voilà, ça peut être aussi, on peut passer de l'humour au drame, etc. Comment vous abordez cette question des genres et de l'écriture selon le type de jeu auquel vous êtes confronté? Il y a un point qui est très important pour moi. Un traducteur ne doit pas être uniquement quelqu'un qui transcrit un sens d'une langue à une autre, mais quelqu'un qui doit avoir un vrai sens littéraire et quasiment des capacités de romancier. Là, je suis aussi éditeur et je pense que j'ai acquis une certaine sensibilité au niveau des plumes. Et c'est quelque chose qui est très important et que Nicolas, notamment, maîtrise extrêmement bien et réussit du coup à rendre les différents sentiments qu'il faut faire passer par l'écriture avec une vraie plume d'auteur, en fait. Je crois que j'ai rien à rajouter. Au niveau de... On a parlé un petit peu déjà aussi de la technique. Forcément, ce sont des sujets qui se recoupent, évidemment. Quelles sont les difficultés techniques qui peuvent arriver pendant une localisation? Technique, alors des techniques vraiment brutes, on en a beaucoup au niveau des fichiers. Alors il faut savoir qu'on travaille, jusqu'à présent tous les jeux vidéo que j'ai traduits, c'était traduit sous Excel. Donc alors il faut un minimum de connaissances d'Excel, même si on n'est pas beaucoup. Donc ça peut être assez pénible de temps en temps, parce qu'on perd beaucoup de temps avec des codes, des virgules mal placées, vraiment des petits détails qui n'ont aucun rapport avec la traduction, mais qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du jeu au final. Après, le point et la difficulté principale, c'est ce qu'on appelle la limite de caractère. On est dans du jeu vidéo, donc avec un écran et avec un nombre de signes limités à chaque ligne. Ce qui fait qu'on va avoir un texte qu'on va devoir retranscrire avec le plus de nuances possible en un nombre de signes limités. Il faut savoir que le français est une des langues les plus bavardes qui soit. On est par exemple, comme on disait, un signe japonais vaut à peu près deux signes français et c'est entre 20 et 50% plus dense que l'anglais. Donc c'est pour ça que quelquefois, pour les joueurs qui comprennent le japonais, ils vont se dire c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas cette nuance? C'est normal, c'est qu'on n'avait pas la place de la mettre. Alors cette limite de caractère, je l'ai découverte en commençant à traduire les jeux vidéo, et je pense que tous les traducteurs de jeux vidéo diront la même chose, c'est que c'est une prison mentale infernale. C'est-à-dire qu'on aimerait exprimer différemment, on aimerait employer certains mots, on aimerait employer certains verbes un peu plus soutenus dans certaines circonstances, et on ne peut pas. Simplement parce qu'il faut mettre 48 lettres dans une case, et en mettant la plus belle phrase de la littérature française qui puisse exister, elle en fait 49, et ça ne marche pas. Donc on est obligé de faire des choix, parfois mauvais, parfois moins bons, ou parfois ça passe
parfois ça passe pas, mais c'est une torture mentale assez permanente qui est vraiment très fatigante. Et quand on sort d'un jeu vidéo pour ensuite traduire un manga, c'est une telle libération mentale de pouvoir enfin dire tout ce qu'on a qui nous passe par les neurones, quoi. C'est d'ailleurs un enfer sur les phases de correction quand Nicolas me livre quelque chose avec des 48 caractères, sur les 48 caractères limites, sur une série de lignes, et qu'à un moment il y a une coquille qui force à rajouter un caractère. Et là je regarde le texte et je me dis je vais être forcé de massacrer sa phrase qui est si belle, parce que sinon ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème technique? Des problèmes liés à la langue française peut-être, hein, oui, des problèmes à la langue française, effectivement. Il y a déjà des séries de choix à faire sur l'usage des « tu » et des « vous » qui sont des spécificités à la langue française. Il y a l'usage des noms de famille ou des prénoms. Et là, je vais plutôt laisser Nicolas expliquer la façon dont il procède, en notant évidemment que je l'accompagne dans ses brainstorming récurrents. Alors, c'est un point très important. Dimitri, en effet, je contacte, on est tout le temps en permanence en relation pour savoir quel est le choix à faire. Alors, le principal dilemme, je pense, alors je ne dirais pas avec ou contre les fans, mais c'est un problème que je vois souvent parce que je garde quand même un petit œil sur les forums, sur le net, pour savoir ce qu'éventuellement tel fan pense de telle série, de tel emploi de mots, de tel vocabulaire. Et un des problèmes récurrents, je pense beaucoup dans le manga et également dans le jeu vidéo, c'est l'emploi de certaines expressions et de certains mots japonais. Donc alors, les kun, les san, les chan, des choses comme ça qui n'existent pas en français. Mais alors pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? Il y a beaucoup de fans qui restent, les core fans, quoi, vraiment les fans de base d'une série, qui sont vraiment très attachés à certains points, typiquement japonais. C'est-à-dire des points sur lesquels il faut quand même un minimum de connaissances sur la culture japonaise. Or, malheureusement, parce que je disais tout à l'heure, il faut faire des choix. Et lorsqu'on sort un manga, lorsqu'on sort un jeu vidéo et qu'on traduit quelque chose, il faut se dire, est-ce que je vais le faire pour contenter les 5% de core fans de cette série, en passant outre la langue française, ou bien alors est-ce que je choisis de faire quelque chose de le plus fluide possible, le plus accessible possible à un grand public? Bref, en gros, est-ce que je traduis en bon français ou pas? C'est ça la question. Donc, personnellement, je suis totalement contre l'emploi de tout ce qui est kun, san, senpai, etc. J'adapte totalement à la langue française. Pour revenir à ton tutoiement, à ton vouvoiement, par exemple, il faut savoir qu'au Japon, deux collégiens, mettons un collégien qui a un an de plus qu'un autre camarade collégien va tutoyer la personne, et celle qui a un an de moins va la vouvoyer. Or en français ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc on est obligé de faire des choix. Alors certains puristes vont nous dire oui, mais alors là par exemple il dit senpai, mais alors ça brise la relation entre le plus âgé, le moins âgé, blablabla. Alors je suis tout à fait d'accord et ça me déchire en effet, parce que je suis parfaitement au courant, tous les traducteurs sont au courant de ça, mais il faut faire des choix, il faut adapter à la culture française, au lecteur français. Me permet de rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'idée de trahison. En même temps, tu vas certes perdre une nuance, mais tu vas la ramener par l'écriture et la façon dont tu vas définir les relations des personnages dans les dialogues, dans les choix de vocabulaire qu'ils vont avoir. Donc on va effectivement perdre ces nuances par rapport à ces san, ces senpai et compagnie, mais on va les rapporter par l'utilisation de la langue française. Il y a différentes approches selon les pays. Je profite, là je vais me tourner vers Alan puisqu'il est là, parce que j'ai le sentiment qu'aux États-Unis justement ils préservent un petit peu plus ces san, kun, senpai. Do you have a different approach for these chan or kun, senpai? Do you keep them in English or? Generally speaking, we try not to. I know other companies do. It's a difficult thing, especially when. Généralement, on essaie de ne pas les maintenir. Je sais que d'autres traducteurs font le choix de les conserver, mais... It's especially difficult when you have things that are set in Japanese schools, usually. I think that's probably the most common area where you encounter honorifics like that. It might be more common to keep them, but as we don't usually deal with things like that, it's our tendency to remove them for the most part in English. Et donc, c'est vrai que par exemple, dans certains cadres, par exemple le cadre scolaire, etc., on sera peut-être amené, comme le disait tout à l'heure Nicolas, par rapport à tout ce qui est relation de senpai, kohai, aîné et personnage plus jeune, on va peut-être être obligé de les maintenir, mais en général, notre approche, c'est de faire en sorte de les faire disparaître et de rendre ça de manière, par d'autres biais, comme vous le disiez. Donc finalement, l'approche est assez similaire. And let me say one other thing, that as of the moment, we don't actually do voice dubbing in French, which may be preferential for you, I'm not sure.
Pour le moment, on a pas pour projet de proposer des doublages en français, ce qui a peut-être la préférence des fans français. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez des doublages ou... Oh non, no, Japanese. That's good. Okay. But one thing that we do pay attention to, and that's very difficult in English, is when the characters speak, it's very, once they've already been animated, whether that's in-game or in an anime video, you have to match their lip movements. And depending on the character, you either have, usually, you have a lot less time to do it than you would in Japanese necessarily. Et alors justement, aux États-Unis, pour les pays anglo-saxons, on fait beaucoup de doublage et une des difficultés majeures qui se présente à nous, c'est qu'on a donc ce problème de synchronisation labiale, c'est-à-dire qu'en japonais, les personnages, comme le japonais, on l'a dit tout à l'heure, on peut exprimer beaucoup plus de choses en moins de temps. Il faut faire en sorte que ce qu'on retranscrit en anglais ressemble un petit peu à ce que les personnages disent en japonais. Et c'est un des défis techniques majeurs qui se présente à nous. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Là, je vais me tourner vers Monsieur Kodaka, justement, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on se demandait, en tant que créateur, donc Monsieur Kodaka, pour le représenter, même si je pense que vous le connaissez déjà, il est donc le créateur de l'univers de Danganronpa et aussi l'auteur des textes de la série. Et on se demandait, en tant que créateur, est-ce que ces questions de localisation, de traduction, il se les pose, en fait, lorsqu'il développe un jeu et lorsqu'il écrit? ゲームを作るときに、やっぱりロカライズのことを考えて気にして仕事をしているんですか?いえ。ですよね。今すごい議論興味深く聞かせてもらったんですけど、 Il nous écoute avec attention depuis tout à l'heure, même s'il ne comprend pas un mot de ce qu'on raconte. Il sourit depuis tout à l'heure. Peut-être une question, alors si en tant que créateur il ne se pose pas ces questions, peut-être en tant que joueur, je ne sais pas si M. Kodaka joue à des jeux occidentaux, et si c'est le cas, est-ce qu'il y joue en japonais, en anglais? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui l'ont marqué sur des traductions? あの、日本以外のゲームやってたりしますか?例えばそういうゲームやるときに、こうやっぱりこう日本語あの、じゃないとダメだとか、英語でもちょっと挑戦したりとか、こうそういうのはありますいいえ。ですよね。じゃあ日本国内のゲームしかやらないということですか? Donc il ne joue qu'à des jeux en japonais. Et alors à ce moment-là, c'est très, il nous challenge aujourd'hui, c'est plutôt cool. À ce moment-là, est-ce qu'il a déjà joué aux localisations de Danganronpa? Et est-ce que c'est quelque chose qui le, on va dire, qui l'inquiète? Ou est-ce qu'il fait totalement confiance au traducteur? Est-ce qu'il n'a pas peur un petit peu qu'on ne restitue bien le sens de ces textes? じゃあ具体的な例を挙げますと、弾丸論破の英語版とかをやったことありますか?必ずこう出るときにもう絶対こうやってみるとか、でそれをこう興味深くもしくはこうチェックしながらこうやってたりしますか? いいえ。 ですよね。 ただ今回は、全部で 5カ国語かな?日本語以外に4カ国語かな? ぐらいは、まあ、4、5カ国語を翻訳してもらってるんですけど、それぞれの言語によって、ゲームスピードが変わってしまうんで、すべて、うちのスタッフたちが調整しています。調整し直してます、ゲーム性を。で、それをちょっと後ろの方で見たりしてるだけですかね。 Alors, Danganronpa n'a pas été traduit qu'en anglais et en français, il est également traduit en coréen et en chinois, si je ne me trompe pas, donc il y a eu 4 ou 5 langages en tout. Et suivant la langue employée, la vitesse de jeu change. Donc les programmeurs ont été obligés, en fait, de modifier le programme suivant la langue. Et lui, il a assisté à ces modifications, mais il, en fait, c'est la seule chose qu'il a fait dans la localisation en notre langue des jeux.
Bah écoutez, on a fait à peu près le tour de la question parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est un très très vaste sujet. On pourrait parler des aspects culturels également du Japon, la France, les spécificités, etc. Mais il nous reste à peu près un petit quart d'heure et on a la possibilité de vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc on va faire circuler un micro dans le public et si vous voulez, si vous avez des questions, que ce soit sur la traduction à poser à Nicolas ou sur l'adaptation que vous pouvez poser à Dimitri ou voir des questions pour Monsieur Kodaka, n'hésitez pas. カイツマムと何を話してたんですか?カイツマムと何を話してたんですか?今日は。要約すると今日は何を話してたんですか? De quoi vous avez parlé aujourd'hui? Attends, de quoi est-ce que je m'en cette semaine? Ok. Je l'expliquerai un peu plus tard, quand on aura fini. On y va pour les questions. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez prévu de localiser les light novels qui sont sortis par rapport à la série, en général, notamment Nagaramba Kirigiri, Togami, ainsi que les mangas qui sont sortis comme Killer Killer, par exemple? ドンガンロバ以外の、スピンオフとか、あと、例えばキラーキラーが出たじゃないですか。それの、こう、ゲームを出す予定ありますか?これはですね、なんて言うんでしょう。ローカライズするときの一つの壁でもあると思うんですけど、例えばゲームは全部うちの会社が権利を持ってるけど、漫画とかは、漫画の出版社が権利を持ってたりして、で、小説はまた小説の出版社が、 権利をいくつか持ってたりして、その権利のやり取りっていうのが結構難しいところでして、ただこう、例えば何でしょう、ゲームがフランスですごい売れたとか、そういう実績があるとそこからどんどんスムーズにやれていくと思います。Concernant les droits des jeux vidéo, c'est l'entreprise donc de monsieur Kodaka qui les possède. Donc les choses sont assez simples. Concernant tout ce qui est manga, roman, enfin tout ce qui tourne autour de la série, les droits appartiennent généralement aux maisons d'édition, ce qui complique énormément les relations professionnelles entre les deux entreprises et ce qui généralement retarde ou voire bloque ce genre de localisation. Quoi. Et généralement c'est plutôt basé sur les bonnes ventes. Si par exemple le V3 va très bien se vendre, alors à ce moment-là ça ouvrira certaines portes pour d'autres formats. Les éditeurs parmi vous qui souhaitent publier les livres, vous pouvez nous retrouver après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour et merci pour l'opportunité. Je voulais revenir sur les problèmes de traduction, les petits mots, les kun, les senpai, voire même les jeux de mots tout court. Pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas des lexiques en début ou en fin de manga et d'anime qui nous permettraient de mieux comprendre ces mots et qui, sur le temps, vous éviteraient de devoir faire des traductions bricolées et de détruire les ordres de respect, les blagues et autres? Alors, pour résumer en un mot, c'est la différence entre une mauvaise traduction et une bonne traduction. C'est-à-dire que une adaptation, un texte adapté en bon français, ou alors faire un texte traduit mot à mot avec des astérix partout qui renvoie généralement sur Wikipédia. Alors, c'est un choix. Mais à mon avis personnel, parce qu'on est plein, je ne suis pas le seul traducteur dans le monde, hein, on est plein, je pense qu'on a des avis différents. De mon avis personnel, une bonne traduction, c'est une traduction en français fluide. Alors évidemment, on va probablement passer à côté de certaines références, on va probablement passer à côté de certains jeux de mots, volontairement ou pas, mais il faut faire des choix. Et il faut faire des choix, et à mon avis, rendre une lecture complètement indigeste simplement pour faire de la traduction à mot, c'est pas une bonne solution. Je rejoins complètement Nico sur ce coup-là, et on a même certains professionnels qui estiment qu'un lexique est un aveu de faiblesse de la part du traducteur. Voilà, après chacun juge à ce niveau-là, je ne serais pas forcément aussi extrême, mais effectivement c'est une question qui se pose, mais nous de notre côté on préfère fonctionner en utilisant la langue française. Après tout on traduit en français, on ne traduit pas en japonais-français, donc ça implique des choix, et quelle que soit la langue, les mêmes problèmes et les mêmes questions se poseront. Quand on traduit de l'anglais, il y a des nuances, on dit monsieur, on ne dit pas nécessairement mister, et ainsi de suite.
Et à l'intérieur du jeu, il y a aussi un problème technique. Alan voulait justement, if you need to add something to the game. One of the issues with adding a lexicon to the game itself is that that's data that was never originally in the game, which means we need to ask the developers to reprogram things. And generally speaking in game development, once the development team's finished, they might leave a little bit of their team left for localization programming, but that doesn't include things to the extent of adding a whole another menu within the game to do that. And so that, by doing so, it adds more time and more cost to development, as well as it could actually potentially break the game too, because whenever you change the code, that could also break the game. Le défi avec ça, c'est que dans le jeu, donc, si on doit ajouter un lexique, tout de suite on rentre dans le domaine des data, des données. Et ce qui se passe en général, c'est qu'une fois que l'équipe de développement a terminé le jeu au Japon, du coup il y a une partie de l'équipe qui va rester, de l'équipe initiale qui va rester pour travailler sur la localisation, donc implémenter les textes, etc. Et si en fait on doit ajouter des données qui n'étaient pas dans le jeu original japonais, ça va mobiliser des ressources, du temps, de l'argent. Et en général, ce n'est pas possible en fait, tout simplement. Bonjour. Bon. Donc en fait, j'ai une double question, une pour les traducteurs donc français et anglais, et une pour Monsieur Kodaka. Donc pour les traducteurs français, ça serait quelle est votre phrase ou votre jeu de mots qui vous a le plus marqué à traduire, parce que dans Corpse Party par exemple, qui est traduit par Exceed, souvent ils disent les phrases qui les ont marquées, quoi. Et pour Monsieur Kodaka, ça serait dans les jeux d'Ongarampa, il y a souvent des light novels qui sont traduits donc de japonais à chez nous. Et j'aimerais savoir si, par exemple, pour le cas de Zero, voilà, dans Ongarampa Zero, il y avait une chance que dans un prochain Ongarampa ou dans un spin-off, comme pour Ongarampa Another Episode, il y avait une chance de voir ce genre de choses arriver sur le jeu. Voilà. La question, c'est de savoir si éventuellement, Ongarampa Zero pourrait éventuellement être adapté en jeu vidéo un peu plus tard ? On se retrouvait dans le jeu ? Je comprends pas la question. En light novel dans le jeu, en fait. Parce que, par exemple, dans le 2, il y avait un light novel qui était adapté dans le jeu. Dans Another Episode, il y avait aussi la même chose. Donc, est-ce que dans Zero, il y aurait... dans un prochain Ongarampa, il y avait la chance d'avoir ce genre de truc-là, quoi. これから作る弾丸論破の中で多分ゼロの中では小説ライトノベルというのがこう入っててでもしかしてこう次のこれから出る弾丸論破の中にも同じことが起きるのですかっていう質問です未定です encore décidé ありがとうございます et ensuite la question sur les jeux de mots les jeux de mots les jeux de mots compliqués alors tous les jeux de mots sont compliqués hein.Et là aussi, c'est, des fois, il faut faire des choix cruels. Des fois, on sait qu'on tombe à côté. Des fois, on sait que ce n'est pas le bon choix, mais qu'il faut faire absolument quelque chose. Je pense que la difficulté la plus caractéristique vis-à-vis des jeux de mots, c'est quand, par exemple, sur le dessin ou dans les jeux vidéo, il y a un dessin qui accompagne le jeu de mots. Alors là, ça devient le casse-tête totalement indescriptible parce qu'on est obligé de jouer avec le jeu de mots et avec le dessin qui est sur la page ou dans le jeu.Quand ce n'est pas le cas, on peut toujours trouver une correspondance, bonne ou mauvaise, mais toujours quelque chose qui va réussir à retranscrire le fait qu'en japonais, quelqu'un dit une blague et que ça forcément, ça finit par un rire. Mais c'est un des points en même temps intéressants de la traduction, parce que c'est un challenge à chaque fois. Dernière question. Merci.Alors je voulais revenir très rapidement sur les voix et remercier Nice America de sortir la plupart de leurs jeux avec des voix japonaises. Je pense que c'est peut-être pas le cas pour les joueurs anglophones, mais je pense que c'est très important pour le joueur français d'avoir cette opportunité d'avoir les voix japonaises. Et ma question est la suivante, c'est de savoir qui fait le choix de la disponibilité des voix pour éventuellement le taper s'il n'y a pas les voix japonaises quand les jeux y sortent. Merci.Our basic policy as a company is to always include Japanese voices.
notre comment dire, notre nous en tout cas on essaie dans la mesure du possible de, d'intégrer le japonais le plus possible, enfin quand c'est possible. Mais I think in our history there have been two or three times where we haven't, and the reason for that is for licensing rights. Japanese voice licensing rights are very, very complex, and sometimes that doesn't allow us or other companies to include the voices in them. Historiquement, il y a eu que deux ou trois titres qui ne comportaient pas le doublage japonais, et malheureusement, souvent, c'est pour des questions de droit. C'est vrai que les relations avec les doubleurs japonais sont assez complexes. On rentre tout de suite dans des questions légales, etc. Parfois, il n'y a pas les droits. Les droits ne sont pas sécurisés pour le monde entier, mais uniquement pour le Japon. Et c'est ce qui explique pourquoi parfois vous ne trouvez pas les doublages japonais. Mais c'est extrêmement rare. Je crois que M. Kodaka voulait entendre la question du jeune homme devant. Ah, est-ce que c'est possible? Oh. Est-ce que c'est possible de lui faire passer le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Désolé pour la pression. Mais... Donc, j'avais deux questions, en fait. Déjà, plutôt pour le producteur. On voit que vous faites beaucoup d'efforts pour traduire en français les jeux. Est-ce que vous pensez aussi les localiser sur toutes les plateformes de jeux? Par exemple, sur la Nintendo Switch pour Danganronpa V3, ce serait vraiment super. J'aime le multiplateforme. Danganronpa のスイッチバージョンらしいんですけれども、Danganronpa のスイッチバージョンはいかがでしょうか？出します？ここ数年で一番困る質問ですよ。C'est la question qui lui pose le plus de problèmes. Ça l'embête un peu là. どこにソニーの人がいるかわかんないですけど、後でこっそり教えるかもしれないです。Il a un peu peur des réponses que le staff de Sony pourrait lui fournir s'il y a du staff de Sony caché dans la salle. Qui pourrait éventuellement ne pas être d'accord. Ça aussi, c'est rien n'est décidé encore, il peut rien dire. Après, j'avais une deuxième question, mais c'est pas trop par rapport à la traduction, c'est pas grave. Non ? Ok. Pour Monsieur Kodaka, pourquoi vous voulez autant développer le concept d'espoir et de désespoir dans vos jeux ? Danganronpa naka de kibou to zetsubou touyu tema bakkari nan desu kedo, sore wa naze desu ka ? Kore wa shounen ni iitai koto desu yo. Écoute bien, ça va être pour toi, jeune homme, la réponse. Sore ga jinsei desu. Parce que c'est la vie. Bon, bah, je crois que tout est dit. Hein. on va se quitter sur ce C'est la vie. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et nous espérons que vous apprécierez nos futurs titres en français. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui à Japan Expo écouter cette conférence sur la localisation. Et voilà. Eh bien, moi aussi, je vous remercie d'être venu et soyez bien sûr que tous les traducteurs du monde entier, et nous en particulier, consacrons notre temps et notre énergie pour donner le meilleur produit possible. J'espère que vous apprécierez nos efforts dans quelques mois pour la sortie de Danganronpa V3 à la fin du mois de septembre en France. Et Nicolas a tout dit. Merci. Alan, if you want to say something. Merci. Yeah, I guess the message for me is I'd like you all to know that you're the most important for all of us up here, actually. None of us would be employed, none of us would have a job, none of us would have the privilege of being here today without all of you. So thank you so much for your support for everything that we do. Ouais, vous avez compris, donc Alan vous remercie. Il dit que sans le public, on ne serait pas tous ici présents aujourd'hui pour vous parler de localisation de jeux vidéo. Donc vraiment merci du fond du cœur, ça nous touche énormément et c'est grâce au public qu'on peut travailler et pour vous proposer les meilleures expériences possibles. Merci beaucoup. Merci.